Salut à tous les abonnés et les non-abonnés, bienvenue dans ce premier épisode de mon nouveau format de vidéo, la première heure. Comme son nom le suggère, il s'agit de passer rapidement en revue la première heure d'un jeu, enfin environ, afin de vous faire une idée de ce qui vous attend. Le tout, j'espère, avec humour et légèreté. Pour cette première expérience, j'ai choisi le jeu Battlefield Bad Company sur PlayStation 3. Vous y incarnez Preston Marlowe, un soldat affecté au 222e bataillon, la Bad Company pour les intimes, composé des pires éléments de l'armée américaine et qu'on a pour habitude d'envoyer en mission suicide. Après avoir rencontré vos frères d'armes, Haggard, Sweetwater et le sergent Redford, qui ressemble plus à Robert qu'à Redford, vous êtes affecté à votre première mission en tant que soldat de la Bad Company. Votre rôle consiste à escorter un convoi en territoire ennemi. Un job sans problème. Bon, après ce premier incident, vous vous réveillez un peu groggy mais vivant. Vous commencez par apprendre les bases, à savoir regarder en haut, en bas, utiliser votre seringue d'adrénaline pour vous soigner. Au passage, on a plus l'impression qu'il se fait seppuku. Utiliser le tir principal et le tir secondaire de votre arme, et enfin réparer un véhicule endommagé. Bravo, One Charlie. Ici Mike, One Juliette. À vous. Ah, cette coquine de Miss Juliette. Miss Juliette, votre contact radio, vous informe que l'artillerie ennemie pilonne le convoi. Votre job consiste donc à neutraliser ses canons. En voiture Simone, et nous rencontrons nos premiers adversaires. Il suffit juste de leur donner une bonne leçon de liberté et de démocratie. Une fois la zone sécurisée, vous vous emparez d'un canon ennemi et vous le retournez contre eux afin de protéger votre convoi. Puis vous apprenez que ce dernier devra changer d'itinéraire à cause d'un pont endommagé. Quant à nous, il faudra franchir un gué. Et comme nous avons un bon assureur, nous avons la chance de nous faire livrer rapidement un véhicule de remplacement. Direction donc le gué avec une petite halte dans une baraque pour y dérober une arme, sans qu'on sache trop pourquoi. Un barrage ennemi franchi et le gué sécurisé, Juliette nous informe de notre prochain objectif qui consiste à nettoyer une ferme occupée par les Russes. Mais cette fois-ci, vous y allez à pied. Heureusement que vos collègues sont là pour vous aider à passer le temps en racontant leur vie. Alors, nouveau, t'as pas envie de savoir comment trois mecs sympas comme nous ont atterri dans la Bad Company? Oh, il le saura bien assez tôt, va. Alors, je t'explique. Haggard a été transféré ici après avoir fait sauter le plus gros arsenal de Paris. Moi, j'ai niqué le réseau de l'armée avec un virus, sans faire exprès, hein. Et le sergent? Eh ben, dites-lui vous-même, sergent. J'ai un deal. Ils m'ont dit que je partirais plutôt à la retraite si je venais ici. Une fois la zone pacifiée, ou presque, puisque les Russes avaient avec eux un tsar d'assaut, coup de bol, ils avaient aussi laissé traîner derrière eux la seule arme capable de le détruire, le bazooka. Une fois le véhicule envoyé à la casse, un hélicoptère vint vous évacuer. Ah bah non, en fait. Direction donc la base anti-aérienne, où vous devrez utiliser du C4 qui traîne par là, totalement par hasard, afin de détruire les canons de DCA ennemis. Fallait y penser avant, bande d'abrutis. Après avoir écouté les instructions de Juliette, vous reprenez la route vers la prochaine zone à sécuriser, et après un peu de diplomatie à l'américaine, le convoi arrive enfin à sa destination. Mais des brouilleurs radars empêchent la communication. Problème réglé, il suffit maintenant de se débarrasser des ennemis restants afin de terminer cette mission pour de bon. Et voilà, c'était le petit passage en revue de la première heure de Battlefield Bad Company. Alors j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format de vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, je vous rappelle que vous n'avez plus qu'à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, à plus, bye! Ciao! Terminé.